Chers investisseurs, nous sommes à nouveau sur le chantier du Bureau technologique d'études et d'ingénierie Sovelmash. Je voudrais vous montrer ce qui a changé depuis notre dernière vidéo qui a été tournée un jour plus tôt. Dans cette vidéo précédente, vous avez pu voir que du matériel a été livré sur le chantier. Ce jour-là, nous avons réceptionné encore plus d'équipements. Et ce sera le cas presque tous les jours à venir. Par exemple, nous avons reçu des vitres. Vous pouvez voir qu'il s'agit de vitres pour les portes, dont l'installation est en cours. À noter que ces verres sont ignifugés, c'est-à-dire anti-feu. Elles ont été amenées dans des boîtes et les ouvriers vont commencer à les installer. À présent, nous allons voir le système de chauffage. Rapprochons-nous et regardons par ici. Vous pouvez voir que le socle en béton a déjà été coulé et que le sable a été nivelé. L'imperméabilisation de la chambre de captage a été effectuée. Maintenant, les derniers éléments du chauffage sont enlevés et cette zone est presque prête pour le remblayage. Cependant, nous ne pouvons pas creuser plus loin, car sinon les véhicules ne pourront plus passer là-bas. Par conséquent, nous attendons une grue. Les ouvriers effectueront d'abord l'imperméabilisation, ensuite, à l'aide de la grue, ils installeront les coffres. À noter que ce sera fait un de ces prochains jours. Et ensuite, il sera déjà possible de poser des réseaux de chauffage. Allons à l'arrière du bâtiment. Et voyons ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Tout d'abord, vous voyez déjà que les sols sont nettoyés et la poussière est enlevée. Nous prêtons une attention particulière à la propreté. Vous pouvez observer les travaux de nettoyage qui sont très bien effectués. Car nous avons un balai mécanique pour enlever la poussière et la saleté, ainsi que les machines à laver le sol, qui nettoient régulièrement tous les locaux. Les travaux d'installation des ascenseurs se poursuivent. À présent,
présent, les portes sont fermées. Mais là, les électriciens effectuent des circuits de mise à la terre dans les puits d'ascenseur. Ici, nous devons faire attention à ne pas trébucher, car les ouvriers coupent le métal. Voici notre deuxième entrepôt. Oui, il y a parfois trop de bruit sur le chantier. Maintenant, nous arrivons dans la partie arrière du bâtiment pour voir ce qui se passe ici. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà observé cette zone. Et voilà comment les choses ont changé depuis. Le bulldozer travaille en nivelant la terre pour le remblayage avec du sable et des graviers. C'est-à-dire que la préparation de ce site pour le revêtement d'asphalte est en cours. Ici, vous pouvez voir qu'une partie du chemin temporaire a été démantelée. Un camion est chargé avec de la terre et nous continuons à enlever la terre du site. Très peu de temps s'est écoulé et vous pouvez déjà voir de vos propres yeux la différence. À noter que tout cela est devenu possible grâce au taux d'investissement, car c'est un processus interconnecté. Maintenant, nous allons nous déplacer dans un autre endroit intéressant. Nous sommes arrivés au deuxième étage du bâtiment administratif et technique. Et vous pouvez voir que la décoration des murs des escaliers est en cours. Les spécialistes mettent au point les ascenseurs. Vous pouvez également voir les armoires de commande et l'ascenseur en lui-même. Le travail est donc en cours. Mais voici un autre travail intéressant dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui a déjà commencé. Ici, vous pouvez voir que le câblage de l'alimentation électrique a été effectué. En haut, il y aura une ventilation et un système d'extinction d'incendie splendaire. Quels autres travaux sont en cours ici? Il s'agit des tâches qui nous ouvrent un nouveau front de travail. Vous voyez que tout est en ordre dans ces locaux. Et maintenant, nous arrivons à ce qui est le plus intéressant, notamment à l'exécution des travaux d'installation du système de chauffage. C'est une nouvelle phase de travail. Après cela, nous allons faire poser la chape d'égalisation et nous pourrons poursuivre les travaux de finition à cet endroit. Le matériel nécessaire est déjà là, donc tout cela ouvre un nouveau front de travail et une nouvelle perspective. Vous pouvez voir que le système de chauffage a également été installé, ici et là. Et voici le tuyau principal qui sera connecté au réseau central. Les travaux dans ces locaux seront bientôt terminés. Et de plus, ils sont déjà alimentés en électricité. Nous y installerons du matériel de vidéosurveillance et des réseaux Internet. Voici donc une nouvelle étape, celle de l'installation des réseaux de viabilisation antérieure. Félicitations, chers collègues. Nous n'en avons pas parlé la dernière fois, mais les travaux sont déjà en cours et ils se poursuivront. Ici, les ouvriers travaillent en écoutant de la musique. Là, nous voyons que les travaux de finition sont en cours et que tout est mis en ordre. Dans certains escaliers, nous pouvons déjà installer des appareils d'éclairage
des interrupteurs et des rampes. Ici, les ouvriers installeront des bandes de recouvrement et on pourra déjà nettoyer les fenêtres. Nous n'irons pas au premier étage car il n'y a pas encore de travaux à vous montrer. Allons directement au rez-de-chaussée. Allons-y. Partout où il est possible de travailler en parallèle, c'est fait. Maintenant, sur le site, des travaux sont en cours pour pouvoir installer des plaques d'égout. Et des échelles sont également montées dans ces puits d'égout. En passant par là, nous voyons que des travaux de finition sont également en cours dans ces locaux. Ici, vous pouvez voir que l'installation de chaînes de vidéosurveillance et du réseau Internet est en cours. Car ce site sera également connecté à Internet, et ceci par plusieurs points de connexion. Voilà la machine thermoplastique qui est arrivée hier. C'est à l'aide de cet équipement que des pièces en plastique pour les meuleuses d'angle seront fabriquées. À présent, nous attendons notre équipement qui a été livré ce jour-là sur le chantier. Il s'agit de la station de lutte contre l'incendie qui sera amenée et installée ici. Il y a également un régulateur à induction qui sera situé dans le laboratoire. Suivez l'évolution du projet et nous ferons de notre mieux pour vous réjouir plus souvent par de bonnes nouvelles. Maintenant, je voudrais vous présenter une personnalité légendaire, Timofey Deinekhovski, chef de l'entrepreneur général. C'est son équipe qui effectue tous les travaux qui sont en cours. Nous avons développé une relation très intelligente. Vous pouvez voir par vous-même comment les ouvriers effectuent le travail, avec précision, compétence et professionnalisme. Et cela sans bavardage inutile. Ils font tout leur possible pour nous aider à mettre en œuvre le projet. Auparavant, nous avions l'habitude de tenir des réunions tous les mardis. Maintenant, nous nous réunissons tous les jours, rien que pour 5 minutes. Nous discutons rapidement des questions et nous retournons au travail. Nous avons même le siège de la construction qui est à présent à l'intérieur du bâtiment. Par conséquent, nous tirons des conclusions avec qui construire, comment construire et comment vivre. Prenez soin de vous et à bientôt.